Yannick Lafut, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Yannick, vous êtes le cofondateur et le CEO de Blackleaf. Qu'est-ce que c'est Blackleaf ? Alors Blackleaf, c'est une société qui émane du CNRS. D'accord. Et donc on industrialise la production d'un matériau qui s'appelle le graphène. Donc le graphène, c'est ni plus ni moins que du carbone. Okay. Au bout de votre mine d'écran de papier, vous avez du graphite. Oui. Si vous regardez ça sous l'œil du microscope, vous avez des milliers de feuilles de carbone, les unes empilées sur les autres. Et le graphène, c'est une seule feuille de carbone. Et quand vous avez cette feuille de carbone en main, c'est un matériau qui a des super propriétés, des super pouvoirs. Il est 200 fois plus résistant que l'acier, très conducteur thermiquement, électriquement, complètement imperméable, etc. Et donc il peut réinventer plein de pans en fait dans l'industrie, dans les produits, notamment on va parler de batterie, on va parler de béton bas carbone, on va pouvoir parler également de peinture et puis on va avoir des activités un peu plus à la marge, on va parler de blindage balistique, on va parler de dissipation d'ondes radar, etc., etc. Alors concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux entreprises qui font appel à vous ? Alors nous, ce qu'on apporte aux entreprises, c'est deux choses. Ouais. Déjà de la performance, puisque le matériau aujourd'hui il a ses propriétés exceptionnelles. Et donc en fait, il vient aujourd'hui en substitution d'autres matériaux qui alourdissent le bilan carbone des matériaux. Si je prends par exemple le béton. Ouais. Aujourd'hui, le béton, c'est l'activité la plus polluante au monde. Grâce au graphène, on améliore les propriétés mécaniques du béton. Et grâce à l'augmentation des propriétés mécaniques, eh bien, soit j'utilise moins de béton, soit j'utilise moins de ciment dans la composition du béton. Et du coup, je décarbone les bétons. Et ça, si finalement, je suis aujourd'hui capable de le faire sur plein d'applications et plein d'usages, parce que je produis du graphène en volume, je produis du graphène, je dirais, à des prix qui sont ceux attendus par ces activités qui sont exigeantes d'un point de vue technique et économique. Et en plus, je produis ce graphène de façon complètement écologique. Et alors, pourquoi vous avez créé Blackleaf, Yannick ? Qu'est-ce qui est à l'origine de... Eh bien, en fait, de la rencontre avec mes deux associés qui sont des chercheurs du CNRS, avec lesquels j'ai travaillé dans d'autres contextes. Et ces gens-là, un jour, m'ont parlé de graphène et de la capacité d'utiliser le graphène pour chauffer, puisque effectivement, on peut également chauffer n'importe quelle surface avec ce graphène. Et sur, je dirais, une petite plaisanterie, l'idée a germé et on a décidé de se lancer parce qu'on avait à la fois, avec mes collègues, l'expertise technique. Et puis moi, j'étais plus effectivement en lien avec tout ce qui était business développement. Et donc, on avait une bonne complémentarité des équipes et surtout une technologie de dingue. Alors, vous êtes soutenu depuis le départ par les pouvoirs publics. Alors, quels sont ces soutiens et qu'est-ce que cela vous apporte concrètement ? Alors, on a créé la société en 2019. Oui. 2021, on était Grand Prix iLab. Ensuite, en 2022, on a eu un gros soutien de la part de France Relance. Merci l'État, merci BPI France. Et cette année, on est lauréat première usine qui nous permet justement aujourd'hui d'industrialiser notre production de graphène, de faire ça comme des grands, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'attendent nos clients, des gens comme Airbus, Safran, Thales. Et donc, ces gens-là veulent aujourd'hui, avant de se lancer sur un développement applicatif ou un développement produit, être certains qu'on est en capacité de produire du 1er janvier au 31 décembre Bien la même sûr. Qualité de graphène. Où voilà. êtes-vous implanté ? On est à Strasbourg. À Strasbourg. On est dans l'est de la France. Alors, vous allez également profiter de ce financement pour bâtir une usine de production à échelle industrielle. Alors, quels sont vos objectifs à court et à long terme ? Alors, à court terme, c'est... on a déjà commencé. Hein, donc, en fait, à court terme, on est en plein dedans. À court terme, c'est être en 2025, être en capacité de produire 120 tonnes de graphène par an. Ouais. Ce qui fait, nous, déjà, le plus grand producteur de graphène en Europe. Donc, pour, donner à la France et également à l'Europe accès à ce matériau qui est un peu stratégique et beaucoup souverain quand même. Et à long terme, en 2030-2032, on veut être dans les 5 producteurs mondiaux du graphène. Donc on a une vraie ambition, je dirais, internationale et mondiale. Et bien, excellente continuation à vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation.